Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 23e épisode sur The Last of Us Part 2. Et rappelez-vous, on devait sauter du haut de la grande roue proche de l'aquarium. Est-ce que je suis prêt à faire ça? C'est parti! Abby! Je suis là, espèce d'enfoiré. T'as sauté? Et j'ai raté ça? J'ai cru que tu t'étais noyé. Et tu es venu me sauver? Non. Je voulais voir si t'étais bien noyé. J'ai trouvé quelque chose de génial. Quoi? Si tu veux le savoir, tu vas être obligé de me suivre. Que la musique est bonne, comme cette aube magnifique. Il faut qu'on y retourne. T'inquiète, viens juste voir ça. Owen. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas virer des lucioles paumées qui ont nulle part où aller? Peut-être. Wow. Je préfère pas le savoir. Viens juste jeter un coup d'œil. Ah, trop stylé. C'est vraiment beau, mais... Comme je vous l'ai dit précédemment, ces personnages-là, à part Owen, je m'en fous. Ok, où est-ce qu'on va? Ah d'accord. Toi, tu veux vraiment nous emmener dans les égouts? Tu veux nous ken dans la cave, en fait. C'est ça l'histoire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Jamais réussir à parler, moi. J'en sais rien. Tu veux continuer? Putain, ouais. Bon, je disais, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours aussi enthousiaste que moi à l'idée de continuer l'histoire. Ah, ça y est. Là, on a un moment un peu de calme pour se retrouver et pouvoir parler. Alors, comme d'habitude, vu que ça fait pas mal de temps que j'ai modifié mes paramètres audio. De zoo, pour poisson. Un aquarium, quoi. Un aquarium? Putain, t'es trop forte. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé, là. T'es vraiment trop con. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps, avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non, t'y connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. D'accord. Et on reste ici, du coup? Tu veux vraiment pas avancer? Aïe, aïe, aïe. Je trouve vraiment bizarre le fait qu'on retourne tout le temps dans le passé, là. Alors qu'on connaît les personnages qui sont déjà morts. Et je voulais remercier... un truc... Je voulais remercier Naughty Dog pour une seule chose. C'est le fait que quand on joue avec Ellie, il y a pas mal de personnages qui sont déjà décédés justement grâce à Tommy. Tommy a vraiment fait le café et je pense que c'était déjà clairement un de mes personnages préférés à côté de Jesse. Mais bon, Jesse, on sait ce qui lui est arrivé. Mais Tommy, je pense que ça va devenir mon personnage préféré et j'espère le revoir dans une partie 3 peut-être. S'il est pas mort en tout cas. Ça, on n'en sait rien. Mais bon. J'espère qu'il ira bien, notre tonton adoré. Donne-moi un coup de main. Ok. C'est bon. Vas-y. C'est quoi cet endroit? Bah, on dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Tu te prends pour un coq? Quoi? Je fais le loup. C'est mon bédoile. Je me mettre mal à l'aise. Hein. Ouais, mais c'est ce qui te plaît chez moi, alors tu devrais pas trop la ramener. Putain. C'est donc ça l'amour? Eh ben, c'est moi vous dire que je suis pas prêt de ressentir l'amour. Hein. Le mec qui a trop la haine en lui. Non, enfin, c'est un peu... Disons que c'est le genre de truc, tu vois. On n'est pas forcément obligé d'y assister ces moments trop personnels. Je trouvais, il y a des moments, ok, c'est cool
à nous montrer pour le récit et tout ça. Mais il y en a d'autres, t'es vraiment en mode. Ok. Ah! Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle? Bateau. Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de quai d'amarrage. Comment on monte? Tu veux jeter un mail? Bah, vas-y, je sais pas trop comment on faire. Ah, bah, voilà. Tiens, tiens, tiens. Mais je connais ça. C'est une Wii U. Il y a sûrement des trucs à fouiller dans le coin. En espérant que ça fasse le taf. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la cale. Oh, ok. Je sais pas si c'est la référence au robot qu'on donnait à notre pote dans la partie 1. Il y a des vêtements d'enfants. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les wolves. Ouais, ou des scars les ont tués. C'est vraiment moche. Hein. Toujours aussi optimiste. Putain que c'est moche. Mon enfant me dessine ça, je peux te dire... ça va mal finir à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un lion. Ok, on n'a pas de girafe. Il y a sûrement plein d'easter eggs. Mais j'ai l'impression de passer à côté de la plupart. Vraiment? On va rester à faire ça là toute la journée? Moi je me casse hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Allez, on a fait le tour. Putain, j'aimerais trop aller là-bas. Continuer à visiter les eaux des poissons? Tu crois qu'il y a autre chose? Bien sûr, on y va. Par contre, j'ai l'impression, parce qu'il parlait d'une île des Scars, j'ai l'impression que c'était juste qu'il y avait tout au fond là-bas. C'est peut-être l'île aux Scars. Ou alors c'est juste l'autre côté de la baie. Bah il est où? Ah il est là. Ah ok, il veut passer à l'endroit qui m'avait interpellé tout à l'heure. C'est beau ça hein. Regardez cet effet là. Putain. Magnifique. On va se faire la courte échelle ici il me semble. Ça me paraît cool. Et si t'essayais par là? Aide-moi à monter. Ouais. Non, non, fais une traction. Ce qui est cool, c'est qu'il y a peut-être des bouts de verre et tout. Et tu vas quand même. Viens là. Ok. Oh, la vache, t'es balèze? J'ai soulevé 90 kilos hier. Dans tes rêves. J'ai soulevé ta mère hier aussi. Oh. On jette un coup d'œil rapide, et après... On rentre direct. Je peux pas appuyer? Ok. Ça, mais attendez, 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 attendez. Est-ce que Owen est avec Mel déjà? Ça, je me demande. Je me demande s'il y en a qui donnent sur l'océan. Ok. Y a pas de poisson. Oh la vache. Waouh. On voit pas ça tous les jours. C'est... Ouais. Fais voir toi. Hey Owen. Aucune tache. C'est dingue. Celui que j'ai vu était pas en bronze non plus. Donc... Ah Gustavo, tes petites notes de banjo là. Oh, tu me fais plaisir. On a vite vécu l'épaisseur. C'est quoi? C'est un aquarium dans le sol. T'imagines cet endroit rempli de monde? Avec des enfants qui couraient partout. Mon père adorerait cet endroit. T'aimes un peu trop les enfants, Owen. Hein. Il serait comme un fou là-dedans. Ouais. Donc il est mort déjà, son père J'ai l'impression que oui. J'ai totalement décroché de l'histoire à un moment donné. J'étais en mode ok. Best trip ever, le meilleur voyage. Meilleur week-end de ma vie, ok. Par contre, il n'y a pas écrit week-end. Donc la traduction vous mentait un petit peu, hein. Cet endroit sera mon royaume. C'était peut-être la meilleure sortie scolaire.
T'es où? Ah merde, j'ai raté le dialogue. C'est ça que tu me dis? Viens quand tu veux. Oh, t'es sûr de ça? En fait, pas vraiment. Moi, je voulais regarder ça. De voir si t'es sympa avec moi. T'es vraiment trop con. Tu commences mal. Ok, ah oui, c'est vraiment l'amourette, quoi. Hein. On est au balbutiement de leur histoire. Hein. Tu restes ici, vraiment? Ok. Les aisselles bien rasées, en tout cas. Ça fait plaisir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que c'est les gens du bateau? J'imagine que c'est eux, ouais. C'est un peu amélioré en dessin. Il fait plus des dents immondes. je vais aller voir l'étage juste avant d'ouvrir la porte. Donc la restroom, on n'a pas besoin d'y aller. Les autres ici. C'est ça, en les incitant à désobéir eux aussi. Tu trouves pas que ça valait le coup? On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. C'est quoi ici? T'adores cet endroit. Le café. La ferme. Alors, est-ce que j'ai droit à Owen, t'as fait raison. Merci de m'avoir traîné dans cet endroit magnifique. Je vais y réfléchir. Ça me va. Par contre, niveau forceur, là... Tu vas l'avoir, ton bisou, hein. T'inquiète. Tu vas l'avoir tôt ou tard, mais bon... Ah, cool. Je t'avais pas vu, toi. Comment tu te portes? Je suis sûr il s'appelle Jack. On a trouvé le capitaine. Merde. Papa, j'emmène Max loin d'ici. Il peut pas passer sa vie enfermé dans ce bâtiment en décomposition. Il ne ferait qu'irriter de tes faiblesses. Ouh! Quand les soldats ont tué maman, t'es resté planté là comme un lâche. Pas, c'est pas un exemple à suivre. T'aurais dû te mettre en colère. Tu aurais dû leur faire mal. Autant qu'ils lui en ont fait. Je veux que Max puisse voir des gens se battre pour ceux qu'ils veulent. C'est sûrement le grand frère alors. Le monde est rude, c'est à nous de le changer. C'est seulement en étant faible que ma véritable force apparaît. Ok. Ouais, c'est connu. Ces enfants sont allés rejoindre les Scar. Bordel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème? C'est un squelette, il en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre les Scar. Pourquoi? Parce que c'est une secte à la con, c'est tout. Bah, dans les zones de quarantaine, les Lucioles sont considérées comme des terroristes, des fanatiques. On était naïfs, on n'était pas fanatiques. On faisait sauter des postes de contrôle et on tuait des soldats. C'est pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est... Évite de dire ce genre de conneries au stade, ok? Ok, d'accord, ça va. Oui, ce que je voulais dire avant ce dialogue infini, c'est que vous connaissez peut-être le proverbe « You've got to be weak if you want to be strong ». C'est littéralement ce qu'il y avait écrit. Hein. Tu dois être faible pour devenir fort. Ce qui paraît logique dans l'évolution de l'humanité. C'est pas moi qui ai la clé de toute manière. Chez Max, ok. Max Payne peut-être. C'est le moment de sortir les clés. Ah ouais. Celle-ci. Non. Ou alors. C'est bon. Oh. Ça a dû prendre une éternité de peindre ça. Une éternité de peindre quoi? Découverte du grand large, ok. Genre de peindre ça? Une éternité. Vraiment. Owen, j'ai vraiment l'impression que tu es mongol parfois. À moins que tu parles de ce qu'il y a ici. Et dans ce cas-là... Ah bah l'éternité, c'est pas le bon terme non plus. Il a vraiment l'air débile. Hein. En plus avec sa coiffure de premier de régiment là. C'est bon, je suis là. Ah, faut sauter? Me dis pas qu'on va descendre par là. Allez! Owen! Après, j'arrête. C'est promis. Promis? Évite de. Regarder en bas. Oh. Descends. Et si on allait en haut? Ça va aller. Hmm.
Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Regarde, sauf à cette caméra là qui me gêne. Ah, c'est génial. Regarde ça. Il y a les mecs qui font l'entretien devant chez moi. Bah, c'est un Scar. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Oh, la vache. J'espère que non. Pas mal ta forteresse, Max. C'est vachement bien foutu. Wow. J'espère que vous entendrez pas trop le bruit dehors. Allez, amène-toi. Je suis moche. Je suis moche, c'est ça? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles, mais... Mais Joël est là, quelque part. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Oh. Vas-y, toi. Et toi, alors? Je vais regarder les phoques un petit moment. Et sûrement une blague en anglais. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. Sûrement une blague du genre I am going to the fuck. Parce qu'en fait, il voulait la pêche. Oh, c'est magnifique. Ah là là, j'aime cette ville. Si Owen s'était caché ailleurs. Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer. Ce qui me dérange un peu... Non. On sait pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Enfin... S'il a vraiment tué Danny... On s'en fout de Danny. Je suis jalouse qu'Owen l'ait buté avant que je m'en charge. Hey, Abby. Ce qui me dérange un peu, c'est que genre on était à l'aquarium, et là on y retourne, genre ça va le niveau de forcing là? T'abuses pas trop? Où est-ce qu'on va nous? Ah! T'essaies de te faire repérer ou quoi? On y va. Donc eux ils sont pas avec nous j'imagine. On aurait peut-être pu leur lancer une brique. J'apprécie que tu m'aides, filer en douce. Tu vas y aller comment à l'aquarium? Par l'autoroute? Non, il y a trop de patrouilles. Je me ferai repérer, c'est sûr. Je vais me frayer un chemin. L'aquarium est pile à l'ouest. Il suffit de suivre le soleil, pas vrai? Viens avec toi. Je l'ai déjà fait. Pas avec autant de scars dans les environs. Manny, s'il te plaît. Bon. C'est toi qui vois. Ouais. Attendez. Oui, c'est bon, mon micro est bien allumé. J'ai un doute parce que je me suis mis dans le noir complet pour être dans l'immersion. Et du coup, je vois plus quand il est allumé ou non. Fais voir. Ah, j'ai pas les refs. J'ai pas les refs là-dessus, ouais.
bien dommage. Par contre, là, j'adore cette lumière-là, un peu coucher de soleil et tout. Je trouve que ça donne une ambiance un peu plus chaleureuse, malgré bah, le contexte. Ouais. Et y a un truc que j'aimerais bien faire. Je sais pas si ça serait intéressant, mais j'aimerais trop rejouer à Uncharted 4. Parce que j'ai fait les 1, 2, 3 récemment. Et que ce serait pas intéressant de les refaire sur ma chaîne. J'aimerais bien vous le proposer. Je chercherai le bon moment quand il y aura une bonne réduction là. Puis je vous proposerai ça peut-être. Eh. Hey. Merci. Tu parles de ça? Ouais, de ça. Et de tout le reste. T'es un vrai pote. Arrête, Abby. C'est trop d'émotions d'un coup pour moi. Par contre, c'est vrai que quand tu dis trop merci, t'es en mode. Ok. Genre, des fois, c'est normal quoi. Ton pote, il t'aide. Vas-y, fais-moi la courte. La voie est libre. Allez. Vas-y. Prendre des rosses. Ma bonne chance. Si tu le retrouves, ne frappe pas trop fort. Je te promets d'essayer. Sérieusement, fais gaffe à toi, Abby. Ouais. Tiens, tiens, tiens. Bon, il y a quelques yeux de soleil. Ils ont pas dit que ta vie soit longue et que ta mort soit rapide. C'est toi qui fais ce bruit là? Ah, il s'en va. Est-ce qu'on va le voir disparaître? Voilà, c'est fini. Ok. Bon, bah on est de nouveau seul. Ce qui est cool, c'est que s'il y a des ennemis, eh ben, on est un peu habitué avec Ellie. Je suis plus habitué à jouer seul qu'avec un compagnon, même si ça aide fortement. On n'a pas eu très longtemps le chien et tout ça pour nous aider. Faut dire que bizarrement, il n'était pas très très fort, hein. En tant qu'ennemi, ils sont très relous, les chiens. Ce qui te sniffe à 8 km, 12. Mais en tant qu'allié, j'ai pas l'impression que ce soit hyper OP. Il y a un truc là-haut. On peut pas monter ici? Attendez, je vérifie. Hein. Ça a pas l'air possible. Ouais, non. Bon, il y a des coups de feu! Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, je vous préviens aussi d'une chose, c'est qu'on va faire que des 30 minutes. Alors certes, il y aura beaucoup plus d'épisodes qui seront plus courts que des 50 minutes. Mais c'est juste plus possible de faire des 50 minutes pour ma PS4, ça devient trop chaud. Déjà Oh, que c'est quoi cette odeur? 30 minutes, ça met au moins 6 heures à télécharger. Donc ce sera seulement une demi-heure. J'espère que vous comprendrez. Et que vous serez me pardonner pour ça. Alors. Et du coup, on avancera beaucoup plus lentement, certes. Mais ça nous permettra aussi d'apprécier les choses comme ils se doivent, comme ils se doivent, comme elles se doivent les choses. C'est féminin. Oh là là, magnifique ce jeu. On peut aller ici. Pourquoi faire? Ah, pour ça. C'est quoi? Fais voir des balles peut-être. Ok, un torchon. Pour se torcher. J'adore l'humour. Je vous ai déjà dit que j'étais humoriste. Et bah maintenant vous le savez. Ça doit se passer ici. Non, même pas. Ok, juste des briques. Et une lame. Ma foi. Ok, donc ça doit se passer ici. Là? Faut monter? Ah oui, c'est là. Ok. En plus, en arrivant dans cette zone, je me suis dit ça doit être là. Et puis j'ai pas continué, je sais pas. Pour fouiller. Il doit y avoir de beaux infectés là-dedans. Hein. Cool. Ah, encore une pièce. Pourtant, j'avais eu le trophée de toutes les ramasser. C'est assez étrange du coup. Qu'est-ce que c'est? Rien. Est-ce qu'on a beaucoup d'infectés? Around here. J'ai hâte de me refaire le jeu aussi de mon côté tout seul. Pour vraiment. Oh merde! Ouais, elle m'a fait peur, hein.
Tu vas mourir, oui. Ah, oh, pas croyable celui-là. Ah, c'est malin. Eh ben, ça commence bien. Je dois bien vous avouer qu'il m'a fait stresser. Il m'a bien fait stresser lui, hein. Ok. Bon bah on a déjà un kit de soins. Ça nous a pas mis forcément de dégâts. Je sais plus ce que je disais du coup. Mais ah oui, ce principe-là de reprendre des scènes qu'on a vues avec Ellie. Ça fonctionne bien. On aurait pu se dire au bout de la deuxième fois, je vais pas sursauter. Mais je vous l'aurais dit que j'aurais menti. Donc finalement, j'ai bien fait de fermer ma tronche. Ah, 49. Ah ouais, mais là, c'est relou. C'est relou parce que je peux presque rien crafter. Écoutez, si on trouve du ruban adhésif, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Vitesse de déplacement, ça peut être intéressant. Voilà. Donc si je trouve du scotch, je reviens ici chercher des lames. Ici on a de l'alcool, j'imagine. C'est cool, c'est cool. M'a bien fait stresser, hein. Je dirais pas non plus que je suis en infarctus. Mais bah c'est bon, là je l'ai. Putain, il manque un quart de scotch. Ah, fait chier, je suis obligé de laisser ça derrière moi. Ok, bon, on continue. À mon avis, on peut passer en rampant. Est-ce que c'est vraiment la suite? J'ai l'impression que oui. Hein. Ici, c'est juste pour ramasser des stimulis, des babilis. Ok, c'est par là. T'imagines le mec qui sait pas qu'il faut ramper dans le jeu. J'y arrive avant la nuit. Et bah, il est bien bloqué. Hein. C'est quoi ça? Meishi. C'est quoi? J'ai cru que c'était un chien. May she guide you. Puisse-t-elle vous guider? Dans le genre guide la con. Oh, c'est puisse-t-elle te guider? De pas de chez nous. Je suis bon traducteur. Hein. J'ai fait des études. Cherchez pas. Ok. On est à 28 minutes. Je vois. On va juste avoir le temps de se fouiller cet endroit-là. Et on va pouvoir s'arrêter tranquillement et se donner rendez-vous. Bah, très bientôt. Je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode. Je sais déjà que là j'ai publié le. J'ai téléchargé le 17ème épisode. Qui sortira à peu près aux alentours du 29 juillet. Du coup là on est au 23. Ce sera peut-être mi-août. Voilà. J'espère que le monde sera encore debout à ce moment-là. Puisqu'il semblerait qu'on ait bientôt une seconde vague de coronavirus. Donc ça risque d'être cool. En tout cas, on va s'arrêter ici pour ce 23ème épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines notifications des vidéos à suivre. N'hésitez pas aussi à regarder les épisodes de Coffee Talk, voilà, qui apparaissent chaque dimanche. Ça peut vous relaxer, ça peut vous détendre. C'est aussi un autre délire, mais bon. Espérons qu'elles puissent vous guider, ces vidéos. Voilà. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à très très vite. Ciao, ciao.